Laetitia, que pensez-vous de cette pièce ? Je pense que ça va être une pièce hyper sympa. Bon, une fois de plus, Hervé, je parle sous ton couvert, bien sûr. Enfin bon, on sait que Hervé a une grande tradition comique. Donc voilà, malgré un texte un peu lourd, le côté comique va ressortir, c'est évident. Hervé, qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord complètement avec cette analyse. Il paraît qu'effectivement, oui, il est toujours dans le comique, toujours un peu à faire des vannes. Bon, voilà. Donc oui, je pense que ça va être très intéressant. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous deux plus tard. Mais vraiment, oui, c'est ton objectif, c'est t'as les jambes coupées, en fait, ouais. On va se dire ça. T'as tellement eu peur que t'as les jambes coupées. Je pense pas que je sois dans cet état-là, vu que je fais plutôt de l'ironie tout de suite en moquant d'elle, quoi. Donc du coup, je m'en fous, en gros. Oui, mais il faut que ça colle quand même, tu vois. C'est... Peut-être qu'elle est ironique parce qu'elle est aussi, je sais pas. On va essayer ça, en tout cas. Je pense qu'on n'ira peut-être pas jusqu'à l'ironie, mais tu vois, c'est peut-être qu'elle ment simplement, quoi. On va voir, tu vois, le truc. Essaye-le quand même en ironie, là, comme tu l'as fait. Kova a raison. Qu'est-ce qu'on est pour elle ? Des têtes d'épingle ? Des grains de poussière dans un immense processus de destruction ? Mais sous cet angle, pas de quoi s'émouvoir, docteur. Et pour toi, c'est facile. Hein. Tu n'aimes personne et personne ne t'aime. C'est charmant. Je n'écoute pas. En tout cas, je ne veux pas mourir pour elle et je ne veux que personne ne meure pour moi. Mais on est tous là. tu peux meurer. C'est dans la boîte. je me demandais, je vais recommencer. Je me demandais parce que là, il y a quand même un... Ouais. Mesdames et messieurs, Franck. Vicky pourra pas faire des parties des otages. Elle est enceinte. Sam ! Quoi ? Je sais que c'est pas vraiment le moment pour leur dire, mais... Mais depuis quand ? La dernière fois qu'elle est venue au cabinet ? Oui, mais c'était il y a 3 semaines. Mais... Et du coup, je me dis, attends... Je cherche bien. Et c'est encore dans la boîte. À l'hôpital, Belfort. C'est marrant, c'est presque naturel. Et je me demandais un truc aussi, par rapport au nom Kaobar. C'est vrai qu'il est prononcé plein de fois, mais jamais de la même façon. Je me dis peut-être que ce serait bien que tout le monde se mette d'accord sur la prononciation de ce nom. Parce qu'après, on prend vachement vite des mauvaises habitudes. Vous allez trouver votre avec toute guerre, maintenant. Kaobar. C'est Kao, Kao. Non, c'est Kao. La même inspiration, c'est Kaobar. Kaobar. Alors, faudrait dire Kaobar au moins, quoi. Ouais. Que tout le monde dise Kaobar et pas Kaobar. Appelez-moi Obi-Wan, c'est bon. Ça s'appelle Kaobar. Fais ça, fais tout tranquillement. Pense combien de timing, valider le couloir, revenir avec les couloirs. On fait ça. On fait ton truc. Dans la colonne. Et puis on enchaîne la réponse. Allez, vite. On va faire qu'une seule, là. Je peux pas mourir pour toi. Attends, comment tu peux mourir pour toi? J'ai vu que t'as... Il y a une réflexion. Qu'est-ce que tu reprends, là? Au début de ton monologue. Tu trouves que c'est le moment? Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me paraît franchement connu. Alors, assis, ouais. Ça, tu vois. Allez, perdons pas de temps. Tu trouves que c'est le moment ?
Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me paraît étrangement comique. Hop, debout. Je sais que la situation n'a rien de risible, bien sûr, mais j'ai un peu bu. Je crois que ce bain m'a fait du bien. Mais depuis quand? La dernière fois qu'il est venu au cabinet? Oui, ben, depuis la dernière fois, il s'est passé des choses, figure-toi. Ouais, alors si Jess vient pas vers toi, va la coller. Colle là. Ouais. Pourquoi pas? Tu vois, voilà, peut-être que tu la prends dans tes bras pour essayer de rendre les choses plus crédibles. Non, j'en sais rien. Tu mens, elle est pas enceinte. Elle faut que tu fasses non, pas, mais ça vient, ça vient. donc, du coup, il faut que je recommence. Oui, l'idée c'est de dégager l'espace de derrière. Enfin, colle-toi pas derrière la table, quoi. Tu vois, voilà. Donc, peut-être qu'il faudra revoir ton déplacement un petit peu, Jess. Ton placement plutôt pour qu'il soit. Ouais, voilà. On peut faire le début, on est tous là. À part Sam, il suffit de. Et il est où, lui? Sam. Sam, Wadao. Sam, il est à côté de toi, Sam, je crois. Je sais, honnêtement. Vu, Clem. C'est le dernier. Ah, ah bah, donc, t'as piqué le dernier bonbon. Il est où? Dans une tête de guerre. Tu sais, quand tu lui dis que le broche, on s'est fait derrière. Il est où, Sam? Derrière moi. Boire. Mais boire! Mais ouais! Et tu vois, il est parti chercher un truc pour se bourrer la gueule. Ouais. Il craque, du coup il va se bourrer la gueule ici. Et puis il part dans un espèce de délire, enfin, dans son monologue. Et tac, tac, tu vois, et puis machin. Et puis, et alors c'est pour ça qu'après tu peux le faire monter. Alors, s'imagine pas que le col tu montes au Chiron. Tu vois, mais par contre, plus ça va monter, plus tu vas pouvoir l'entrecouper de rasade. On va dire que c'est un truc fort, tu sais. Ce qui serait vraiment sympa d'arriver à faire sur ce truc là, c'est, alors je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais c'est vraiment d'arriver à casser côté, regardez, je vais vous donner une grande leon, attention, voici mon monologue. Ouais. Ouais, vraiment qu'on arrive à péter ce truc là, ouais. Je sais pas comment. C'est un constat froid et désabusé, c'est ça, voilà. Fait, c'est pas une leçon, et du coup pour le sortir il a besoin de... De toute façon, voilà, il est dans l'état machin. Et c'est rigolo parce qu'après, ça va peut-être répondre à la réplique. Bon, si on envoie ça dans cet état, ça va pas faire. On sait pas de quel état il parle, mais ça peut, voilà, avoir un côté un peu... On peut recommencer ça, là, du coup pour... Tu sais ce qui est vexant, c'est que même avec Carole dessus, j'avais poussé la chaise, quand même. C'est pas vexant, hein. Moi, je peux m'y mettre, si tu veux, ça bougera pas. L'emplâtré, là... Ah, elle t'a fait... Ça peut pas casser l'image. Oh! Oh, bah celui-là, il est pas cassé. Oh! Oh, c'est pas gentil. On fait pas ça, la caméra woman. Je sais pas comment on dit. Ah, je m'en prends plein la tronche là où les. Johnny Cash. Tu mets des cobards en même temps. Je m'en prends plein les fesses, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Comment ça, tu t'en prends plein le cul? J'ai pas là. Tout le monde me fait un fuck, alors moi aussi je fais un fuck. L'autre nazillarde. Ça n'a rien à voir avec. Mon état n'a rien avec mon nez. Je ne suis pas nazillarde, s'il te plaît. Vous avez entendu encore la pluie sur ce truc? Ouais. Mais il faut de la pluie dans ce truc. Il faut de la pluie dans ce truc. Ouais. Allez, go. Je vais amener mon bâton de pluie. Oh, au début, en haut, en bas. Hein? Bah oui. Chaussette. Comme vous l'avez fait là, on reprend ça pour essayer de le caler un petit peu mieux. Caler un peu mieux. J'espère qu'il est là, Samy. Non, Juste deux secondes. Surtout que je gueule ma race alors que t'es juste là. Ouais, mais il a disparu. Si Sam est là, je vais faire Sam. Ouais. Et je voudrais que... Moi non plus. Je ne cocherai pas avec elle. Elle me dégoûte. Qu'est-ce que... Ah, Sam, est-ce que tu crois que c'est le moment? Ouais, et du coup, c'est là où tu vas te mettre vraiment proche du plexi, tu vois. Ah, Sam, est-ce que tu crois que c'est le moment? Tu vois, il est là. Sam, est-ce que tu crois que c'est le moment? Vraiment se mettre ici. On va dire que là, c'est vraiment le plexi. Donc évidemment, là, on ne le voit pas. Se mettre ici pour que quand tu sortes, non, elle est allemande. Tu vois, il y a un face-à-face, il y a cette image-là. D'accord. Okay. Je sais pas si tu l'essayes là. Non, elle est allemande. Tac. Il va s'asseoir et tu vas te tourner, tu vois, ou le regarder, mais du coup tu casses le profil que tu prends. Enfant, vous accepteriez si t'es embarqué d'une civile? Non, évidemment. Mais c'est vrai, t'es pas la question ne se pose pas. La guerre est finie. Les familles entières sont assassinées, torturées, envoyées dans des camps, et nous? Nous continuons à vivre notre petite existence au jour le jour. Excuse-moi, c'est très bien. C'est peut-être là où ça peut monter. Des familles entières sont assassinées.
torturés, envoyés dans les camps, et nous nous, nous continuons à vivre dans notre petite existence, hein. Tout le monde s'en fout de ça. Putain, j'en veux plus. Ouais, j'en fais des caisses, là. Ouais, mais en plus, c'est ça. Quand tout cela sera passé, toi, cette cauchemar monstrueuse se sera dissipée. Nous pousserons un grand soupir de soulagement. Nous assisterons au défilé de la victoire. Et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Nous applaudirons nos courageux libérateurs et nous traiterons, hein, résistants, collabos, profiteurs. Tous payés de la même allégresse. Faudrait juste que tu me gommes au niveau de la santé, quand c'est pas... Moi j'attendais la réplique de Dut, t'as coupé avant, c'est méchant. Ah merde, pardon. Je t'ai préparé. Mais oui, je la voyais, là, je l'avais dans le fichier. Je l'avais cadré et tout, j'avais une super position. Si on va prendre comme ça, ouais. Je vais m'appuyer. En plus, je l'adore cette réplique. C'est très bien. Là, c'est ouais, clair. Bien. Moi j'ai une question, c'est oui. Que pendant tout ce monologue, donc je commence là, alors c'est vrai que les autres fois ils se déplaçaient, mais ils se déplaçaient. Et moi je me suis dit, je vais me casser. Donc je me casse ou pas? Tu veux te casser où? Ailleurs. Parce que là, je suis souvent en plus ici. Bah, casse-toi là. Centre plateau. Non, mais ouais. Tu viens par la fenêtre du coup. Donc je suis allée voir par la fenêtre. Enfin, si tu veux, j'ai attendu. Ah bah oui, très bien. La rupture, les vivants, mais les morts, je suis, oh putain, il va repartir là-dessus. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais le laisser faire sa phrase. Et quand Vicky dit, voyons Franck, tu n'es pas responsable, je me dis, oh, allez, de toute façon. Eh bah, peut-être. Je comptais faire. Si on lui envoie. Franck comme ça, Cobard nous fait fusiller, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. C'est une saillie drôlatique. C'est une saillie drôlatique. Ouais. Une quoi? Une saillie drôlatique. Attends, je zoome sur toi là, redis ça. Tu zoomes pas sur mes cheveux. Une saillie drôlatique. Une saillie, hein, c'est une saillie. C'est une zaya? C'est une saillie drôlatique. Ça m'arrive relativement souvent. Voilà. Donc tu as fait une zaya. Voilà. C'est parce que j'arriverai pas à le redire. Une zaya. Une saillie hydrolatique. Une saillie. Oh la vache. Ok, Nanou, tu sors. D'accord, utile dans l'officier de la République, il y a des... Ah non, un peu plus. T'as peut-être un geste d'attention envers... Vers l'infirme. Vers l'infirme. La bonne claque dans le... Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Ok, vous voulez le refaire ça non? Ah attendez, non, je regarde bien, putain. Oh, niveau... Bonsoir. Bonsoir. Le sujet de ce soir, les hippopotames jonglent-ils avec le rectum? Pour nous répondre à cette question, je vais saisir la question du docteur Helmut von Schmutz. Bonsoir. Bonsoir. On prend sur Rémi qui dit alors comment expliquer mon comportement colonel. Donc, nous inquiétons pendant de nombreuses années de tout Pérouer. Alors, quel rapport il faut ces datas pour ces hippopotames? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas beaucoup ce que j'ai moi à faire ici. Moi, pas trop comprendre ce que j'ai à être là. Ah, interruption de programme. C'est bon? Oui. Bah, on reprend, il n'y a rien à faire. Oui. Alors, comment expliquez-vous le comportement du colonel? C'est bon? Mais sans le stylo. Alors, expliquez-vous! Alors, comment expliquez-vous le comportement du colonel? Vicky, qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Vicky. Eh ben, allume, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Chou! Quoi? Chou! Quoi? Chou! Chou! Tu t'impatientes. Quelques secondes et tu ne supportes déjà plus? T'as peur du noir? C'est pas drôle, attends, excuse-moi. Pas drôle. Ça ferait un truc bizarre à la caméra, le. Mais oui, mais en plus, c'est que j'étais arrivée un peu vite à ce que je pensais. Je pensais qu'il arrivait encore. Ah ouais, si tu la coupes vraiment, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est que là, j'ai eu le temps qu'il nous tombe dessus. Ah oui, il y a eu. Ça suffit, Amy. Ça, c'est du temps à faire. Amy, je refuse de laisser faire le destin. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? C'est quoi ça? Est-ce une proposition? Ou un gag?
Parce que c'est, je croyais que c'était la fin de sa réplique, donc je pensais pas que ça allait foutre la merde. En fait, il reste 4 lignes partout. C'est la fin. Mais à un moment, tu m'avais dit de faire une rupture, quoi. Bah oui, parce que tu peux pas. Si tu le fais. Comme c'est super long, enfin, comme c'est super long. Oui. Si tu commences back, tu te dis je vais le faire monter jusqu'à la fin, tu vas finir en hurlant sur la table. Donc, je me considère presque comme un être normal, et alors je ne veux pas mourir aussi bêtement. Ouais. Qu'il y a une rupture, mais On essaiera des trucs, de toute façon. Parce que là, il faut que ça puisse. Mais oui, je sens bien que. Faire peser les mots. Tu vois, le sens de ce qu'elle dit. En plus, c'est bien ce qu'elle dit. Voilà, on va faire le petit. Et c'est mieux alors, du coup, d'être. Ouais. Oh, très bien. Laisse-nous faire le destin. Voyons ce qui nous tombe dessus. Ça suffit, Emmy. Vous avez entendu. Moi, j'ai fait confiance au destin. Vous voyez où ça m'a mené? C'est par pure amour du destin que je me suis engagée dans l'armée. Je n'en tire aucune vanité. Mais je ne peux pas l'ignorer non plus. Ça m'a coûté assez cher comme ça. Mais quelqu'un fait vite. Non, mais ça, c'est bon, en fait. Mais c'est que je crois que j'arrive, en fait. Je fais... On dirait un truc qu'on a écrasé. Je sais où je suis. Comment c'est les cafards là? Ozzy, il y a les cafards? Ouais, ils sont écrasés comme ça. Oui, c'est ça. On est à quelques cultures, enfin, vous bougez tout à l'heure. Enfin, je t'avais mouru, ils font. En fait, je vais pas me remettre encore en avant-scène parce que j'arrête pas. Non. Par contre, je t'avais le faisant d'avant-scène. Ça, j'aime pas écraser les bestioles. Ça bouge toujours après. À 20 ans. Aïe. Moi, j'avais envie de dire à 20 ans, rien n'est impossible, mais c'était pas. Même niveau que la blague de. Non, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de fan de Laurie ici, bon, c'est pas grave. Non, c'est ça, moi je trouvais c'est très drôle, je vois mon reflet dans le Végim qui sont... Oh la vache. J'ai pas compris. Et c'est filmé. Allez. C'est après le noir, là, c'est ça? Il est pas là, Jonathan. Il est pas là. Oh putain, la vache. On est mauvais. Bon. Je crois qu'il faut... Allons-y. C'est après le oui, mon poussin. Ouais. Oui, mon poussin. C'est sûr, ce ne serait rien. Une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous. C'est possible, je suis pas amatrice, non. Cherchez-en une autre. Ah, tu dis juste, je viens avec toi. Cherchez-en une autre. Je viens avec toi. Quoi? Oui, je viens avec toi. J'arrive. Je vais faire des courses, j'arrive. C'est grave ce qu'elle dit, tu vois. T'es là, en fait. Oui, non. Non, mais tu vas dans le truc, c'est... Elle dit quand même qui vient. Moi, je viens avec toi. Ah non, ma vieille. C'est comme si... Qui veut boire un coup? Moi. Non, non. Ok, peut-être que j'ai peut-être une idée. Et si Franck, quand il a commencé à se bourrer la gueule, il avait laissé la bouteille au plus près du cube et que tu allais la prendre pour t'en servir des coupettes sur la table. Je vais bourrer la gueule à tout le monde sur cette pièce. Moi, je me suis déjà bourré la gueule. Ouais, j'avais bien bourré, hein. Bah, t'en as pas assez. Ok, je pense que c'est bon. Moi, ce qui serait drôle, c'est de mettre de la vraie eau de vie dans les bouteilles. Parce que... Je suis susceptible de faire des blagounettes et de mettre du vrai. C'est bon, les mecs. Parce que moi, en tout cas, bah, j'ai bien soif et je suis en train de faire un truc, voilà, etc. Et voilà, on essaie d'enchaîner ça comme ça, tu vois. Salut les enfants, c'est moi, c'est pas mal. Putain, oh mon dieu, il est super piéton. Alors présente, je ne me sens enthousiaste pour rien. Alors mourir, pourquoi pas? Non? Personne pour m'accompagner? Faut que tu le poses, ça, hein, tu vois. Je me sens enthousiaste pour rien. Alors mourir. Pourquoi pas? Non? Personne pour m'accompagner? Tu vois, c'est comme au Cobard quand on fait... Mesdames? Messieurs? Oui, docteur? Hein, c'est la même chose. Tu sondes. C'est un sondage que tu fais. Ok. Je pense que ça peut marcher, hein, après... This is the end. This is the end, my friend. Ça fait plaisir, ça, ouais. Bah, pas de ouais, t'arrives à anticiper. Dès que c'est... J'ai le sentiment que toi, dès que c'est un peu...
ça avec un peu d'énergie. Non, c'est pas. En gros, t'as fait. Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais moi, je suis ici. J'ai des dons, bon, on m'a mis malade, je rentre chez moi. J'exagère. Là, il faut pas du tout que je le dise sur ce ton-là. Je me suis aperçu. En fait, c'est carrément bloqué, quoi. Je suis carrément. Et j'ai même une balade. Maison trop bien. Une fois dehors, même là aussi, tu vois, je l'ai pas noté, mais une fois dehors, je me suis beaucoup plus utile. Elle justifie son départ, tu vois. C'est pas... Mais c'est un argument. Ouais, alors que c'est un argument. C'est sa peau qu'elle veut sauver. Ouais, et, voilà. Donc du coup, elle peut pas dire genre, vous inquiétez pas, je serai beaucoup plus utile dehors. Tu vois, c'est. Elle essaie de convaincre. Ouais, c'est vrai que c'est vachement dur de sentir la tension comme ça sur un temps de la scène, mais c'est tranche quoi. Il n'y a pas eu de l'enchaînement en puissance. Ah non, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai que là je me sens plus tout tendue. Ça demande une énergie de faire ça. On avait le même plan. Et on va gueuler, c'est pas à se dire putain, c'est dans la merde, bordel. Faut vraiment prendre le temps de se remettre dans le texte, de se remettre dans l'atmosphère. Ouais, mais trouver quand vous. Trouvez-vous des trucs physiques, des choses à penser pour vous mettre dans l'état qu'on demande. C'est-à-dire quand je suis en tension, mon corps comment il est, qu'est-ce que ça impacte sur mon corps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des tics? Est-ce que les sourcils se froncent? Est-ce que j'ai tendance à me recroqueviller ou pas? Ou quand je parle, est-ce que j'ai tendance à renvoyer chez l'autre? Ou alors penser à des trucs qui sont vraiment en tension. Mais je pense évidemment c'est clair que c'est. Ça fait rien sur jouer deux, mais on après c'est clairement on ne regarde pas ça. Même si vous faites des efforts sur le reste, c'est pas des très belles choses, mais c'est juste que ça manque juste de ça dans le fond et c'est dommage parce que ça fonctionne. Pas tant qu'elle sorte, elle ne reviendra pas. Bah oui, attends qu'elle sorte. Attends qu'elle sorte avant de venir, elle ne reviendra pas. D'accord. Ouais. C'est pas grave si les autres vous jouez à la regarder partir. Les gens, un temps encore, ça peut être ça. Moi aussi, j'ai envie de partir, ça peut être juste. Ça y est, on comprend. J'ai envie de la suivre, je me penche légèrement en avant. Je suis dans les langues, sont des parallèles. Parce que moi aussi, j'ai envie de partir, je suis comme ça. Et du coup, boum, c'est cassé. Et là, tout ça, ça joue simplement dans le corps. Elle se barre. Et ça, allez, ouais. Voilà. Là, vous jouez, vous remplissez. Vous êtes dedans, vous êtes à l'écoute. Ok, trouvez-vous des trucs comme ça, chacun. La solution. Par la machine, etc. C'est un plan militaire. J'avais plus envie, alors là c'est pour faire un peu mal, j'avais plus envie, si tu veux, d'y mettre du corps, tu sais, lui dire. Je voulais plus la faire comme ça. Mais bon, voilà, dans le coup, c'est vrai que comme j'ai peur de me faire un peu mal. Fais-le juste avec une main, déjà, tu vois, ce sera pas mal. Et c'est un plan, tu sais, comme dans les films, on passe par ici. Là, il y a une gouttière. Tu vois, tac. Tu fais ça. Ok, sergent, tu vois, on sait pas une recette de cuisine. Ah oui, Il y a une gouttière. Il y a une gouttière. Ah non, je sais, j'ai fait comme ça. Si vous regardez bien à droite, il y a un joli petit massif de roses. Hein. Faut le contourner, faut pas marcher dessus, sinon, genre, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est vraiment. Ouais. Attendez, si vous vous barrez. Moi, j'ai une solution. Il y a une gouttière. Aujourd'hui, je suis payé, on dirait rien. En plus, toi, ça fera. Ça va te rendre encore plus. Ça l'a entre guillemets, tu vois. C'est vraiment, tu essaies de la convaincre. Quoi. En même temps, on a envie de se barrer, mais tu vois. Sortez de là, en fait. Elle sort de la cuisine et moi, je sors de la. Ah, putain, alors après, chaud. Non, c'est pas noir, on sort d'un noir. C'est un noir qui est avant. On sort d'où on veut. Bah, pas vraiment. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi nous, on sortait du fond. Bah, parce qu'il y a un noir. Oui, mais c'est le bureau, il y a Cobar, pourquoi on va dans le bureau. Il a changé le bureau. Ah putain, d'accord, pour moi c'est l'entrée là-bas. Non, il est dans l'entrée là-bas. Ah, mais il a changé, il y a. T'étais là déjà. Oui, t'étais là en fait. Oui. Moi je vais jamais au bureau, moi je vais jamais dedans. Moi je suis toujours dans le bureau, c'est là-bas. Bah oui, puisqu'elle arrive vers moi. Mais parce qu'il y a une didascalie où il y a écrit Sam, Franck et Vicky reviennent, donc a priori.
Ils ont déjà fini là, les concertistes ah ouais, là. A priori. Mon Dieu, j'ai eu de la cire. Et non, j'espère qu'il a pas coûté cher le truc parce qu'il est sous le poids. Et en même temps, on a c'est pas faux, de son côté. Dans certaines mesures, c'est pas faux. Mais c'est mieux. C'est mieux. Excusez-moi ça, pour le gros trou du milieu. Enfin là, je vraiment pas. Tu le revois un petit peu parce qu'il manque des os, c'est dommage. Ouais. Là, tu mets à la place d'autres. Oui, alors la semaine dernière, on s'est dit qu'on allait mettre un poisson rouge en bocal pour la vie de l'hôpital. Mais c'est quand même pas tout le temps. Est-ce que vous passez par la fenêtre? En fait, c'est là, c'est la cuisine. Oui, c'est ça. Vous descendez le long de la gouttière. Ça gosse, c'est normal. Ça va, tu sens, ça t'a il faut une connerie que le bateau, c'est pour être une connerie. Mais c'est votre colonel. Mais de toute façon, elle veut y croire. De toute façon, pour qu'elle nous persuade, c'est après que ça foire, quoi. Quand t'as dit, vous n'avez pas confiance en moi. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une auto-persuasion. Ah oui, c'est parce que ça file depuis tout à l'heure, ouais. Même quand tu critiques le spectacle de musique classique, c'est... Alors, je tiens à dire... On va le faire passer, ouais. On va écouter, Janice. Bon, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, moi, je vois bien... Je vois bien, moi, la coupe. Vous passez par la fenêtre de la cuisine. Vous mangez la gouttière. Vous descendez le long des transformateurs. C'est complètement idiot. Pas plus d'attendre que l'autre vienne faire son marché, c'est tentant. Allez voir par vous-même, c'est tout à fait jouable. J'y vais. Vous ne me faites pas confiance? Non. Parce que vous avez tout intérêt à nous planter là, et à vous évaporer dans la nature. Mais si son colonel réussit à nous tirer de là, il n'y a pas de raison de ne pas revenir. À condition qu'elle aille réellement retrouver son colonel. Entendre ça, je préfère m'en aller. Ah oh, oh. C'est pas... Oh, oh. Non. On va la faire. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, moi, je vais faire le singe d'un coup. Pardon. À condition... Et je pense que tu peux crier mais sans le « I ». Ah, je m'entraîne. Oh, je vais demander à mes enfants de me pincer. parce que aïe, c'est le petit bobo. Quand on dit aïe, c'est quand on se tape la petite orteille dans le truc, etc. Ça, ça fait hyper mal. On dit ouais, putain, c'est on dit mon putain de merde de chat. C'est un peu d'exemple, mais aïe, c'est parce que réfléchis comme truc, tu vois. C'est comme le cocorico du coup. Voilà. Le A, c'est vraiment quand ça fait vraiment très très... On n'est plus dans le aïe quand ça fait... Je veux dire ouille. Ça fait baiser, aïe. Ouille. Ouille, ouille, ouille. Non mais tu vois, donc puis voilà, aïe. C'est même un aïe quoi, c'est ah ouais, mais ah vraiment quoi, ah ouh oh, là là, machin, mais pas aïe. Aïe. Ça fait trop, c'est... En plus, non mais là tu sortais bien, on voyait ça avec Zaleva, et moi ça me parle comme quelque chose de aïe, tu vois, il a pas fait comme ça, mais ça fait, c'est le petit bobo, là elle est... Si elle serre encore un peu, elle te casse le bras, quoi. T'imagines, elle a de la torsion, la tension dans le bras, etc. Tu vois, c'est vrai. Et comme ça, tac, et dès qu'elle te lâche, après tu peux te relever un peu vite, faire essayer toi de... Après c'est juste là-dedans, tu vois. Tac, et puis et comme tu fais après le reste, là c'est bien, après, c'est chouette. Ça c'est chouette. Bon, c'est bien. Canon un peu léger, vous avez vu que la tension monte. Ouais. Enfin que la tension monte. La tension qu'on peut y mettre, c'est qu'il faut vraiment aller vers ça, c'est super important. Pour embarquer les gens. Ouais. Il faut. Moi j'ai envie qu'ils se disent. Il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà, j'ai envie qu'ils se disent ça. J'ai envie qu'effectivement, sur des moments un peu moins de tension. Il souffle en même temps que vous, ouais, j'ai envie qu'ils vous suivent dans cette tension, dans cette non-tension, etc. etc. C'est ça. Je veux qu'à un moment ils ont envie de sortir de la salle, mais enfin pas vraiment, hein, parce que s'ils sortent, c'est mauvais signe. En tout cas, pas parce que ça. Faut
même à un moment, ça dérange un peu, cette espèce de communauté mondaine là. Voilà, mais c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Vous avez bien travaillé. On a fait un bon travail. Et dimanche, oui. C'est 10h. 10h, 10h plateau, 10h30 plateau. 10h30 plateau. Pour ceux qui veulent arriver plus tard. Donc chacun emmène un truc à manger. Ouais. Bonne nuit. Top à la vachette. Top à la vachette. Merci, la vachette te remercie. Et il faut que la table bouge par l'un ou l'autre. Ok, et ensuite c'est là où tu fais ton impro, etc. Il faut que tu le coupes un peu plus tôt, effectivement. Oui, c'est sympa. Sinon le spectacle va faire 2h40. Tu vois, et puis après on retombe sur nos pattes. Donc, j'ai tout préparé, ou ce que tu as dit, là c'était très bien. Et du coup, voilà, donc se pose la question de savoir si effectivement les chaises doivent être mises en place bien longtemps avant. On changera peut-être ça, pour l'instant elles sont là. Petite ellipse. Ça fonctionne bien. Quand on a... voilà, ça marche. Ah oui, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, que je comme si tu les prenais sur la table, du coup. Et puis après, je dis lumière plateau, et puis tu les ramènes. Hein. Ou peut-être que tu en remets juste une sur la table. Je vais partir. Voilà. Vous y êtes tous ? Oui, monsieur. Ah, vous avez commencé, d'accord. Donc lumière plateau. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Ce que je dis, mais qu'est-ce que je dis ? Mais qu'est-ce que ça pourrait vous faire d'être remplacé par un autre ? Mais vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience. Ah, sincèrement, j'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience de quelqu'un. J'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience de quelqu'un. J'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience de quelqu'un. Là, c'est vraiment... Madame Pellissier, tac. Où sont-ils ? Tu vois, bloque-toi physiquement dans ton déplacement pour marquer le coup. Pour voir. Je n'imagine pas trouver ça, en fait. Reprenez un tout petit peu avant, blibli blablou. Et alors, j'en ai assez de regarder les autres mourir pour moi, machin. Ouais. Mais vous, pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience. Sincèrement, j'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Ah, et je ne parle pas de vous. Monsieur, madame, tout le monde ne peut en dire à personne. Madame Pellissier ? Où sont-ils ? Ils ne peuvent pas me laisser. Ça y est, ils s'apprennent. Quel est votre nom ? J'aime l'espagnol, pareil. À 8h alors. Je pense qu'on fait une petite pause. Vas-y, essayez de faire votre bagarre là, parce que moi je m'entends pas comme dans le texte. Pendant la guerre, comme ils avaient beaucoup de moyens, ils faisaient des rites à bagarre. C'était drôle ça, les rites à bagarre. Ouais, je te dis comment ça. Moi, je te reprends bien aussi. La rue à bagarre et le top in Hambourg. Oh merde, ça filme toujours. Comment ça? Tu m'as parfaitement compris, ne m'oblige pas à devenir grossière. Tu mens ! Elle ment, Sam ! Il avoue ! Il avoue, et devant tout le monde, encore ! Allons, hey, tu vas pas t'en prendre à la firme quand même, un peu de dignité. Qu'est-ce que tu fais toi avant Laetitia, jusque là ? Je suis assise par terre. Alors bah tu seras dans la cuisine. D'accord. Une fois que j'ai rigolé, je vais dans la cuisine. Ouais. Quand j'arrive, en fait, je vais couper. Hein. Oh, d'accord, ça marche. Ça semble super cool. Ouais. Tu sais, je suis restée avec mon texte et là. Les virtuels. Tu mens.
Messieurs, là, on se concentre un peu. Allez, concentration de malade mentale. Rappelez-vous, je vais vous tuer. Parce que normalement... Non, ça c'est vraiment, ça faut absolument noter quand avant de partir parce que c'est vraiment super, super bien. Et en plus, t'as fait les deux, t'as regardé tes pompes et ensuite tu l'as regardé, garde ça, c'est vachement bien. Je sais pas faire, je sais pas qu'il y a des pompes, allez, on prend les deux. Et ben, en fait, c'est vachement bien parce que du coup, il y a un truc pour lui, puis après, paf, vers Vicky et paf, tout de suite, après, bah non, ça, c'est vachement bien. Ça rajoute vraiment des trucs, quoi. Ça parle, c'est chouette. Et puis, il y a une boîte et on voit Vicky et ça en même temps plus un petit peu qu'avant. Donc, c'est sympa de voir vraiment les trucs. Elle fait frappe, et après on fait... D'accord. Ouais, parce que là, il faut qu'elle fasse ça. Aurélien, elle fait frappe. Oui. Il est par terre. Ah, d'accord. Aurélien, alors. Merci, Jonathan. Salut. Je fais frappe, c'est pas encore quelque chose. Ça serait frappe. Collant qui roule, n'amasse pas moule. Non, t'aurais crié. T'aurais crié, c'est ça. Non, t'aurais relevé. Voilà.
grossière. Mais tu mens! Elle ment, Sam! Il avoue, mais devant tout le monde encore! Alors, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, vraiment. Bien, elle était crédible. Non, mais juste eu peur. Elle a juste eu peur. Elle a juste eu peur. C'est bon. Tu vois, j'ai revu Flavien en train de me serrer dans le barbe bleue. Et tu j'ai peux... J'ai pas eu le temps de serrer. Tu la vois pas arriver. Ouais. Bah oui. Mais je donc sais, tu peux pas avoir peur. Elle a eu peur, vraiment. Tu fermes les yeux. Allez, refaites. Et j'arrive. Ah, je suis pas certaine. Que ça, elle aura encore moins peur. Non, mais prends-moi le. Oui, agrippe le gilet. Comme tu lui prendras la veste, tu lui prends le gilet. Je prends le gilet. Allez, putain. Allez. Ça, tu fais rigoler un peu, tu vois. Ah ouais, elle a une machine, puis toi tu... Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Les colles. Parce qu'après, tu es dans une intention, tu es dans le reproche, ouais. Du coup, donc... Déjà, tu ressasses ton reproche, là, un peu. Okay. Il le ressasse déjà, ah, peut-être, oui. Un peu, là, tu es en train de... Tu vois, dans, du coup, peut-être que tu peux... Tu vois, pas forcément faire des trucs comme ça, mais en tout cas, voilà, il répond pas aux attentions. Ok. De temps qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, en plus. Combien de temps ça a duré, ce qu'il a fallu... Et si ça se fout, qu'à Omar et puis lui... Moi, je pensais que j'étais dans une phase... Moi, je pensais que j'étais dans une phase où j'avais besoin de réconfort, et du coup, c'est pour ça qu'elle... C'est ce qu'elle pense, ouais, peut-être. Ah oui, elle, oui, mais pas moi. Ça s'appelle la compréhension homme-femme. Non, mais ce serait... Oui, ça pourrait se faire, mais sauf qu'après, quand même, ce qu'il lui balance dans la tronche, tu vois, ouais, tout à l'heure, tu m'as laissé partir, maintenant tu veux que je te serve d'alibi. Je trouve que c'est assez costaud et ça m'étonnerait qu'il passe comme ça, qu'il fasse la montagne russe émotionnellement. Ah, t'es en train de ressasser déjà le truc là, en disant, putain, s'il y a un noir entre les deux. C'est pour ça qu'au début, tu vois. C'est pour ça qu'au début, dans le qu'est-ce que vous voulez savoir, il peut y avoir un brin d'agacement, tu vois. C'est comme si, tu vois, tout le monde te regarde et puis, quoi? Tu vois, tu peux être un peu là-dedans. Tu vois, hop, tout le monde le regarde, tac. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Machin, je sais plus ce qu'il dit. Je suis désolé. Ce qui s'est passé, ouais, je suis... Ouais, même dans je suis désolé, tu vois, il l'est pas vraiment, quoi. Enfin, il l'est, mais pas vraiment. Ça l'agace, ce truc, quoi. Puis voilà, je pense qu'il est déjà en train de se dire, putain, elle m'a laissé partir, quoi. Tu vois, je crois que ça ne l'a pas quitté. Et ouais, elle m'a laissé partir, ça ne l'a pas quitté, j'aime bien. Enfin, voilà, tu vois, on est vraiment... je pense que, voilà, il est en train de bouillir un peu intérieurement, là. Il est mal, quoi. Il sent sale. Tu viens de te faire violer, quoi. Non, justement, elle n'a pas voulu m'en dire. Attends, c'était très agréable, faut arrêter de croire. Non, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, là, t'as pas voulu, mais si ça se trouve, t'as vraiment couché avec lui. Mais même si ça se trouve, derrière, t'as pas... Bah, c'est ce que tu veux. Chut, t'es fini. Lui aussi, il couche avec tout le monde. C'est sympa. Allez, lumière plateau. C'est pour deux fois. Lumière plateau. Non, c'est ça, c'est on est là. Ok, donc noir plateau. Il faut pas qu'il y ait de temps mort. Donc faut meubler, faut s'agiter jusqu'à ce que. Il y a combien de durée? Peut-être pas une idée. Sur cette plage là? Ouais. Ah bah en tout, on doit bien faire du 20 secondes, ça va? Bah oui, c'est facile. Plus que 20 secondes, ah bah c'est plus que ça. Hein. Elle fait 2,15. Oui, mais il n'y a pas 2,15 de bord devant. C'est 2,15 au premier avion. Du premier avion jusqu'à la fin de la sirène. Donc en gros, sur le bombardement, il y a facile 40 secondes. Quoi. Mm. Mais ça se remplit, hein, 40 secondes. Hein. C'est pas 45 secondes, ça va. Hein. Pour anticiper, effectivement, toi, tu te dis que de toute façon, tu vas passer. Mm-hmm. Parce qu'on a l'habitude de dire oh là, oh là, machin. Et que pour anticiper, vous pouvez, dès que vous la voyez foncer. Vous écartez un peu, puis il y a que lui qui... J'ai du mal à aller chercher. Désolé. Mais non, les cheveux, ils descendent. Non, mais je veux dire, toi, là, j'ai senti, j'étais là.
parce que alors, comment tu l'as fait tout à l'heure avec le bout du bras? J'ai fait ça. Mais c'est bien fait parce que j'ai eu un peu mal. Ouais. Pardon, c'est vrai? Non, mais j'aime bien. Vas-y, elle recommence, voir. C'est que je crois que tu lui prends le bras à l'envers en fait. Je vais prendre ça, j'essaie de le prendre dans le sens où... Non mais... Tu vois, tu peux pas parce que tu... Je lui pète le bras. Si tu... Attends, comment tu fais, c'est bizarre. Ouais. Comme ça? Ouais, si tu lui prends comme ça, et tu veux le tordre, enfin le compte, tu peux pas, c'est toi qui te tords le bras là. Oui. Donc il faut vraiment que tu lui prennes comme ça. Comme ça? Voilà, comme ça, et en fait, le truc, c'est vraiment de, hop, l'amener ici. Normalement, c'est, on fait, tu vois, un truc comme ça, et du coup, tac. Tu veux vraiment... Comme ça. Non? Oh, ça. Normal. Oui, ça. Normal, en fait. Ok, normal. En intérieur. Tu sais qu'il faut que je comprenne le mécanisme du bras pour faire un coup. Si tu veux pas le faire, essaie de le prendre vraiment poigné. Si tu le prends ici, déjà. Qu'est-ce qui fait que plus tu bouges, plus ça se Par contre, fais juste attention, parce que comme les pas trop près, parce que là, j'ai senti que j'ai touché un peu. C'est-à-dire que pour les faire mal, je pourrais. Non, mais si j'ai mal, j'essaierai de ne pas être trop lié, c'est pas grave. En revanche, toi, tu peux y aller, tu vois, vraiment sur le visage, et hésite pas vraiment à... Ah, tu vois, il est surpris, en même temps, il a super mal. On imagine qu'il a fait une prise d'enfer, il a vraiment super mal. De toute façon, personne ne dit rien pendant ce temps-là, tu vois. Et jusqu'au bout, tu vois, jusqu'à ce que tu tombes, c'est... Peut-être des petits trucs comme ça, tu vois. Vraiment, tac. Et il faut qu'on ait l'impression que tu le jettes. Et pas que tu l'accompagnes au sol. Que ce soit toi qui décides quand il tombe. Tu maîtrises jusqu'au bout. Tu peux tac. Et il y a un moment où bam. Et je pense que tu peux vraiment tac. Parce que c'est oui, on a pensé avec le flingue. Devais pas me. Et on avait dit non après le flingue. Au final, on a repensé que peut-être que le pied c'était mieux. Parce que ça faisait deux fois que je shootais. Ouais. Donc là, on changeait. C'est sympa. Mais ce sera cette jambe là. Je suis doué le gorge. Ouais. Toi, tu peux, tu sais, lui prendre la cheville du coup, puis. Bon, pas comme ça parce que ça c'est drôle, mais tu vois, peut-être une respiration, peut-être juste une respiration, tu vois. Puis il est en train d'étouffer et elle part tranquillement. C'est ça que je voudrais, c'est jusqu'à la fin que ce soit horrible, quoi. Elle va t'étouffer et elle part tranquillement. Et là, si, j'espère, tu vois, vous devriez faire attention à vos machins. Ah ouais, il continue pour dire ma réplique avec le pied dans le corps. Et puis après, j'espère que. Puis après, tu lâches. Le pied gauche. Une fois qu'elle t'a lâché, tu reprends ta respiration. Et toi du coup, j'espère que je n'ai pas gâché votre petite fête. Hop, un dernier coup d'œil. Ah ouais, dans un dernier. On est plus. Je voulais pas tâter les sauces du cerf. Ouais. J'ai pas entendu ce que je dis ouais, on va attendre la fin. Et je rentre un paquet de fois. Non, mais. Voilà, on s'arrête là pour le coup. On la refait. Vous voulez la refaire? Moi je me sens pas capable de. Ouais. Cette scène, c'est vrai que ça demande de l'énergie. Aussi rentrer dans le camp d'atterrissage aussi. Non, je pense qu'effectivement si. Ouais, il est en sortie. D'accord. Et voilà, moi non plus. Bonne nuit! Je vais travailler dans mon avis et je ne vais pas travailler dans cette scène. Vous avez un E, mais oui. Vous avez un E. C'est un E. C'est un peu. C'est un E. Un F. F. Yeah, mais c'est un F. C'est vraiment un F. 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 C'est O pris dans le E. F. F. C'est sa partiture. C'est un F. 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 C'est sa partiture. Maintenant, je dis, je dois penser à Befehl der Police politique. Ouais.
c'est très bien. Parce que la police, ils ont fait after change. Ça, c'était très bien. Ok, je peux le canard, je peux le préciser. Après, c'est bleiben Sie im Flur, lassen Sie mich. Bleiben. Bleiben. Tu as dit bleiben. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Ça, c'est bon. C'est une C'est un bleiben, tu peux ben, faire une, ben, un accent. Tu veux bleiben. 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 Ben, ben, comme ben, comme ben, le prénom. Ben. Ben. Bleiben. 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 Ouais. Ah, c'est vraiment le E écrit, c'est vraiment un E. Ouais, on a plus E que L. Et il faut toujours aussi, parce que voilà, vraiment parler les fins. Bleiben, c'est vraiment un N. Mm-hmm. Ah, c'est pas comme en français ou en anglais un petit peu. Voilà, les N, les M. Non, c'est vraiment bleiben. 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 Bleiben Sie im Flur. Bleiben Sie im Flur. Mm-hmm. Lassen Sie niemanden raus. Très bien. Ok. Bleiben Sie im Flur. Lassen Sie niemanden raus. Ich wäre froh. Okay. Voilà, c'est très bien. Jusqu'à, je suis selbst une Geschäftsfrau. Et moi, je trouve que tu fais ça très bien avec ton accent anglais. Ouais, c'est très bien. Ton accent anglais, c'est pas classe, hein? Ouais. Et ça commence à merder à partir de où ich. Exactement. On dit ich wäre froh. Et voilà, et ça c'est vraiment. Non. Mais je me suis arrêtée de l'apprendre là. Ça, ouais. Enfin, je le connais juste en fait. Juste là, c'était très très bien. C'est quand même drôle. Mais après, und ich wäre froh. Ça c'était von ich und ich und ich wäre froh. Aussi plus lentement, hein. Und ich wäre froh. Hein, parce que tu veux quand même. Tu la séduire quand même. Und ich wäre froh. Und ich wäre froh. Ich wäre froh. Aber Gilles sagt, ich bin froh. Hein? J'ai cru que tu avais dit qu'un mot. Moi aussi, c'est ça. Ich wäre froh. Ich wäre öffnen zu können. Elle lit en fait le ich wäre öffnen. Elle lit comme un mot en fait. Froh. Und ich wäre froh. Ich wäre froh. Hilfswerke helfen zu können. Ich werke helfen. Ich wäre. C'est qu'il faut que je vraie. C'est où qu'il y a un re, il y a mais pas le verque en fait c'est verre. On dit verre. Verre. Je marre bien avec ta caméra. Und ich wäre. Absolument. Ihre Werke helfen zu können. Ihre Hilfe. Hilfswerke. Ja. Hilfswerke. Hilfswerke helfen zu können. Faut que je lis tout ça. Quelles deux élèves studieuses. C'est joli à regarder. Und ich wäre froh. Ich. Là, c'est difficile, la combinaison. La combinaison, c'est difficile. Ich wäre. C'est très, très difficile. Je crois que c'est vraiment. Und ich wäre froh. Ich wäre que zu. J'ai oublié le F. Guten Tag, Frau Hamburg, c'est Emile Pédec. Wir sind, wie Sie sehen, normale Bürger. Wir interessieren uns auch in Politik. Und wenn Sie uns einen Gefallen tun könnten. Ich bin selbsterheimische Frau und ich wäre froh, Ihre Stärke helfen zu können. Was würden Sie sagen von einem substanziellen Verschluss, was in Deutsch mal? Und eine kleine Zigarre haben, das zu feiern. Du hast die Englisch. À mon avis, c'est vraiment
voilà, c'est la folie d'utiliser ce mot ici. Hein, les grosses, donc, c'est un mot très important, hein, les Großzügigkeit. Et donc, tu le dis aussi lentement. Hein, Großzügigkeit. 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 Et le T, tu dis le T, Großzügigkeit. Et lentement, Großzügigkeit. Parce que c'est quand même, c'est très, très, comme on dit, c'est, voilà, c'est très méchant. Ich erkenne hierin die Großzügigkeit der Wehrmacht. Ich erkenne. Ich erkenne. 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 Ich erkenne. Pas, c'est pas un E, c'est un E. Tu fais un accent au début. Ich erkenne. Erkenne. Ne. Ne. Comme Ben. Ebe. Comme Lieben. Lieben. Ah, c'est une question. Enne. Tu l'entends grave, toi. Il n'y a pas le mot. Enne. 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 Un aîné. Ennemi. 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 Ah. Erkenne. 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 Ennemi. Ennemi. Un ennemi. Erkenne. Hierin. Ich erkenne. Hierin. Ich. 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 Ich erkenne hierin die. Aussi, erkenne. C'est pas un E. Ça, c'est pour moi, à mon avis, c'est pour moi, c'est le plus grand problème pour, quand tu apprends allemand, c'est le E, c'est presque toujours. Et R, c'est comme ça. C'est là. Et on me prend comme ça. Erkenne. Ouais, j'étais. Ich erkenne. C'est dans la boîte. Erkenne, très bien. Ich erkenne hierin die. Großzügigkeit der Wehrmacht. Je peux mettre un temps entre le D et le gros. Exactement. Ich erkenne hierin die Großzügigkeit der Wehrmacht. Très bien, exactement. C'est parfait ça. Ich erkenne hierin die Großzügigkeit der Wehrmacht. Parce que c'est vraiment die Großzügigkeit. C'est vraiment ça, ce que tu veux dire. Et ça, c'est très cynique de dire ça. C'est extrêmement cynique. Ah ouais, je le prenais pas comme ça en fait. Je prenais ça plutôt comme un constat. Donc, exactement, parce que c'est vraiment. C'est quand même cynique. Hein. Il est super cynique parce que c'est le pouvoir en soi. Mmh. Donc c'est plus cynique qu'un constat. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Moi je prenais ça comme Hitcher. Enfin, je reconnais bien la générosité de la Wehrmacht. Tu vois, genre, ouais. Mais là, c'est genre, je reconnais bien la. Bah, du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir. Bah oui, c'est pas pareil. Je le dirais pas pareil. Ah, putain, c'est trop bien. Ich sage meiner Französisch. Ja, ja, très bien. Ich sage meiner Französisch. Non, t'as dit Tchouch. Ah, pas le C. Ich sage meiner Französisch. Non. Mais putain, je le mets où l'été. Tu en mets pas. Mais où ça? Je l'en mets pas là. Si, en fait, tu dis Französisch. Je fais Französisch. Tu fais comme Tovarich. En fait, il n'y a pas le T. Französisch. Oui. Ich sage meiner Französisch. Ah, maintenant, je l'ai appris. Ich sage meiner Französisch. T'étais à deux bonnes langues. Ich sage mal à Französisch. Bon, d'accord. Mais tu fais pas c'est comme ça. Ich sage mal à Französisch. La pêche à bug. Hé, t'es K.O. barré. T'es K.O. barré. K.O. barré. K.O. baraka. C'est enregistré. Ok. Très bien. Bon. C'est bien, voilà. Vous avez aussi, vous avez bien travaillé, non? Oui, quand même. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Okay. Mais on sera prêt avant. Bah, toute ma famille allemande est là, comme ça. C'est vrai? Bon, bah, non, mais vraiment, ah, c'est bon. Bon. Ah, une dizaine, mais c'est très bien ça. Oh, oui. Si. Hey soul! Les Françoises! C'est vrai que c'est sympa comme pièce hein, pour des Allemands à venir voir. Ouais, c'est vrai ça, que c'est. Oui, ça va leur plaire. Ça va être sympa. J'espère qu'ils ne me balanceront pas des pots de banane. Non, parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont dit: mais t'as pas peur que ce soit trop anti-allemand? Je dis: c'est une histoire. C'est du théâtre. À la pas... fin, je dirais: j'adore les Allemands. C'est anti-allemand, c'est anti-dictature. Oui, voilà, c'est ça. C'est on a pris l'ancienne histoire pour raconter ce truc-là, mais en fait, ce que ça raconte vraiment, c'est ce qui se passe entre les gens aussi, un peu. Voilà, c'est pas. Les pouvoirs.
Le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Et puis, le fond de la c'est surtout ce que chacun est capable de faire pour sauver sa peau. Moi, je pourrais chanter à la fin. Je connais une chanson en allemand, mais je la connais pas bien. Mais... Alors, c'est cool. Grin, alle meine Kleider. Alles was ich habe. Je sais pas quoi. Ah, bien. Ah, c'est ce que ça veut dire? Oui, vert sont les couleurs que j'aime, je sais pas quoi. Weil mein Schatz ein Jäger ist. Ouais, non, mais je, c'est moi ou quoi. Je la bossera après. Ouais. Ok. Voilà, très bien. Bon. Fin de la leçon. Merci. J'ai jamais écouté. Non, Und Sie vermitteln von mir, dass ich denen das Leben lasse? Muss ich sicher? Aber wieso? Ich erkenne Ihnen die Großzügigkeit Ihrer Macht. Ich wusste, Sie würden meine Position verstehen. Ihr Oberst, mein Respekt. Merci, Franck. Ça m'aime mon mari et moi sa femme, je suis la bien vivante. Tu aurais dû partir à sa place. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Je suis là avec mes amis et toi, tu envoies mon mari, tu tires ton épingle du jeu sous couvert de je ne sais quel principe. Et quoi? Tu crois que ça n'a pas de principe, lui? Tu me dégoûtes. Ça suffit, Vicky. Oh, toi, ne m'adresse pas la parole. C'est de toi que vient cette fameuse idée. Peut-être a-t-elle les mêmes pistes que toi. Ça t'aurait peut-être plu après tout. Je vous laisse envoyer mon mari se vautrer dans les bras d'un officier de l'armée politique. Et c'est moi qui suis ridicule. C'est lui qui a choisi. Si j'avais été un homme, j'aurais fait la même chose. Lui, au moins, il est sûr de sauver sa tête. Peut-être la tienne. Alors apprends, arrête de prendre tes airs de victime. S'il te plaît. Moi, en attendant, on n'est plus que cinq. Et Max qui n'arrive toujours pas. Au début de la scène. Ouais, allez-y. Ce serait mieux pour vous. Début de scène, éteignez la radio, tout ça. Ouais, pour reprendre. J'étais concentré, mais j'étais... Oui, non, mais ça, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, on cale des trucs, là. C'est au moment où ça frappe, hein, vraiment. Oui. On a une représentation ce soir, hein, donc mais c'est bien. Oui, merci. Vraiment, vraiment, non, mais vous inquiétez pas. Bah, c'est une allemande en même temps. Hein. Bah, en même temps, c'est intéressant de lui faire son texte, ça lui permet de voir comme ça. Oui, mais il y a... Ouais, mais il y a un moment où... Ça devient... Jacques, c'est Bibi. Ça devient un peu chiant, quoi. Pas loin. La réglisse. Oh, oui. Tiens, Carole, t'as été très vilaine. Allons. Mesurez vos paroles. On va finir par dire des choses désagréables. Pardon. Alors, on ne crie pas normalement. Je vais leur parler. Ah, ils ont fermé la porte. Va, vas-y, prends. Va, vas-y, prends.
Schreiben Sie her! Oder ich werde durch an die Tür schießen! Allez-y, remettez-vous dedans. En tout cas, tu l'as fait. Ah bah attendez, on s'est pas échauffé. Aussi
parce que là, il n'y a pas de paquet. Du coup, pouf, il disparaît. Elle le laisse tomber. D'accord. Tu vois, tac, Max, Sam, le paquet, comme au ralenti, imagine un film au ralenti. Le paquet commence à tomber, t'as tout le monde a les yeux fixés sur le paquet, et au moment où il va toucher le sol, tu vois. Ouais. Ah ben non, parce que... Ah oui, d'accord, oui, ça. Non, je dis comme... Non, mais je veux dire, je le fais tomber quand il dit... quand je dis oui, ça. Ouais, oui, non, oui, Max. Ouais, Max, oui, du coup, faut pas oui, Max. Voilà. Oui, c'est bien Max. Et ouais. Si tu veux laisser comme ça, moi, je le ramasse quand je dis l'emparer Max, tu vois. Ouais. Oui, ne te jette pas, tu vois, c'est vraiment un attaque. Et qui ? On est toujours amis ? Bien sûr qu'on est amis. Noir. Ah, elle est chouette cette fin là. Je suis désolée, j'ai commencé à péter. Je pense que tu peux garder le paquet du coup. Ah ouais ? Ouais. Ah, tu vas avoir ce que tu Je sais pas, c'est une idée comme ça. Ça va frapper. Oui. Max. Sam. Oui, Max. Il y a parfois des choses que je ne m'explique pas. À moi, qui ne connaisse quelqu'un dans cet immeuble. À moi, que le paquet que nous avons retrouvé sur lui. Il me revient, monsieur Pellissier. Que je te demanderais un tel sacrifice à la légère. Tu ne crois pas que j'ai retourné le problème dans tous les sens pour en arriver là? Il n'y a pas d'autre issue. Sam est libre d'agir comme il l'entend. Sam, notre sort dépend de toi. Qu'est-ce que ça pourrait vous faire d'être remplacé par un autre? Mais vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience. Ah, sincèrement, je... j'aime mieux être, j'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre de quelqu'un. Je dis n'importe quoi qui m'énerve, Aurélien. Et je ne parle pas de vous. Je parle de monsieur et madame tout le monde. Autant dire personne. On aurait tombé dans un repère de résistants et c'est Vicky qui nous y a conviés. On fait... On fait tous partie d'un réseau quelconque et on y passera tous. T'occupe pas ta petite personne. Hop, dédoublement de personnalité. T'occupe pas ta petite personne. Madame Pellissier. Allez donc, mettre un peu d'ordre. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas que le destin s'abatte sur vous, sans raison, au hasard. Comme il s'est abattu sur les deux officiers morts sous vos fenêtres. Pourquoi ? Pour rien. Oui, ces images sont insoutenables. Pour lutter contre la maltraitance des metteurs en scène, envoyez vos dons à l'association Aïe putain t'es con ça fait mal, boîte postale 78 700... Ah merde, je sais plus parce qu'on a changé, puis après... Enfin bref, faites-le, parce que c'est bien pour... Enfin, c'est pas mal quand même. Arrête, j'ai senti obligé de mettre ma robe. Arrête, tu paniques. Ça va, je me suis rasé ce matin. Faut croire que ça repousse. Parce que tu crois que c'est facile de se raser avec un rasoir depuis 2 ans et sans savon. Mais arrête, allez, va te raser. Ah, non plus qu'une... Ah. Mais elle danse comme une professionnelle. Et je ne suis pas encore arrivée, vous verrez tout à l'heure. T'as l'intention de t'en arrière. Je sais pas si j'arrive.
pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Ah. Tu vois, elle a peur. Elle a peur qu'on vienne lui tirer les oreilles. Non, mais on ne s'entend plus. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Ah. Ah, tu vois, elle a peur. Elle a peur qu'on vienne lui tirer les oreilles. Non, on ne s'entend plus. Oh, merde. Quidlibet in hipotestas, Virgile. Il est autorisé de tout oser. Horace. Pardon. C'est une citation d'Horace. Vous avez dit Virgile. Vous êtes trompé, ça arrive. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie, in Berlin. Et moi, je le suis toujours, in Paris. Je n'ai troqué mon tablier contre aucun uniforme. Ceci peut être votre erreur. Val, s'il te plaît. Le colonel Ulrich. Horace. Peut-être. Vous n'appréciez pas la propos des sévères de Sophocle ou vous n'avez pas compris? Commandant Kaobar, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez? Nous sommes tous amis. Je comprends. Croyez bien que je ne m'amuse pas. Je ne vous demande pas de sacrifier deux d'entre vous. Mais d'en sauver cinq. Cinq qui devront la vie aux deux autres. Je vous offre là un beau rôle. Non. Vous n'appréciez pas la propos de ces vers de ce pas ou vous n'avez pas compris? Madame Carva, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate, vous comprenez? Nous sommes tous amis. Je comprends. Croyez bien que je ne m'amuse pas. Je ne vous demande pas de sacrifier deux d'entre vous. Et d'en sauver cinq. Cinq. Qui devront la vie.
Ça sonne. Allô? Colonel Ulrich? Docteur Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Oui, tout à fait. L'année dernière. À la bonne heure. Et comment va Madame Ulrich? Elle est morte. Oh, c'est embêtant. Non, mais faites-lui vos condoléances. Expliquez-lui. Oh, je suis vraiment navrée, mon colonel. C'est tellement inattendu. Je ne sais comment. Très bien, mon colonel. Non, rien d'important. Merci, mon colonel. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonne soirée. Au revoir. Rien d'important? Mais c'est quoi pour vous quelque chose d'important? Non, mais c'est pas possible! Laissez passer une occasion pareille! Je l'avais pourtant bien soignée. Elle est morte quand? Il y a 4 mois. Et ben alors, la prescription, elle est plus sous le coup de la douleur. Rappelle-le, tu as raccroché sans réfléchir. Les Anglais! Ils arrivent! Déjà! Vous croyez qu'ils vont nous laisser sortir? Ils ont fermé la porte! Moi, dis du rhum! Hilfe! Dis du rhum! Ouvrez! Ouvrez! Bye, monsieur! Si vous n'entendez pas, les Anglais arrivent, ouvrez! On va tous mourir! Et vous allez faire des touches rapides, Jason! Ça va rien entendre. Ce sont des fous, on ne peut pas parler avec eux. On va tous y passer. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Si vous pouvez passer tous vos trucs. C'est l'anniversaire, René. Ils ont le suspect, tu sais. Quoi, en imaginant qu'il y ait. Jonathan, tu lui as pas fait le petit chapeau là? Mais ouais, je vois, c'est une excellente idée. Je vais regarder ce que t'as j'ai. T'as l'alliance de ta femme sur ton collier. D'accord. Enfin, accroché à une petite chaîne toute colle. Ok. Une chaîne. Ok. Ah, on joue peut-être ça à la maison. Atmosphère. Est-ce qu'il y a une gueule d'atmosphère? Oh, t'es méchante. Ah, j'aime pas.
Non, pas ça. Mais là, c'est pas ça. Non, il est plus sec, il est tout mûr. Oh, comme c'est dommage. Il sera un peu, il sera pas jaune. Mais bah, si, c'est il sera pas beige. Non, mais beige, ça va. C'est du mûr qui a pas trop jaune. Pour toi, le soir. Oui, d'ailleurs, moi, je fais. C'est bien, on va parler. Silence en coulisses. C'est parti. La seule, là je la vois pas, Jess, mais on comprend. Je m'appelle.